Salut les artistes! Nous voici bientôt au mois de décembre. Fête commerciale, fête familiale, fête de la consommation? Non! De l'art et encore de l'art. De la communication non verbale, implicite, pour tous et par tous. Il est temps de voir cette saison d'une autre façon. Voici le conseil du mois de décembre. Découvrez des artistes et des nouveaux concepts. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc le maître mot, c'est terminer un cycle et en entamer un autre dans le signe de la créativité. C'est la technologie. C'est technologique. Allez, nous allons voir 4 mains à Agen, un voyage sur la planète de Montflanquin, des contorsions modernes à Toulouse, du psychédélique à Paris et des pliages japonais, mais par une chilienne. J'ai vu au montage la dernière fois, c'était... Break. Agen, des rêves et des hommes. Le Centre culturel ouvre sa nouvelle saison avec deux artistes de talent, Lantourne et Tartas, qui ont mis la peinture et la sculpture au cœur de leur travail. Une exposition à 4 mains, 1, 2, 3, 4, j'en ai que 2, qui aura lieu du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2022. Depuis 20 ans, les itinéraires de ces deux artistes se sont souvent croisés. Appréciant leur travail respectif, ils ont exposé ensemble dans de nombreuses galeries et ont créé des installations monumentales en extérieur. Se retrouver donc à Agen, au cœur du Lot-et-Garonne, leur fief prend tout son sens. Planète Kensoulal. Partons pour la planète Montflanquin. Kensoulal, le champ des cailloux. Du 8 novembre au 6 décembre 2021. C'est une entrée libre. Kensoulal s'attaque à des matières différentes. La lave, la terre, la pierre, le béton, le métal. Elle investit des formes que la nature rencontre, avec des objets plastiques, artisanales, résultant de vanneries, de céramique, d'ébénisterie. Ses œuvres créent un lien entre territories. Celui qui accueille, verser un projet. Kensoulal produit des types de paysages inattendus qui conjuguent différents univers, mêlant à la fois force, finesse et précision. Le passé et le présent cohabitent et se rencontrent. Allez voir. Viens, comment on danse? Toulouse, la ville rose, organisée chaque année par le CACDU, le trophée Master se classe parmi les meilleures compétitions internationales de danse de hip-hop. Les meilleurs danseurs au monde seront là pour vous présenter leur art et leur sport. Il y aura du break à Toulouse, de la hype. Moi, ça me défonce rien que de lire. La Société psychédélique française nous parle de l'hôpital Marmontan, à Paris, qui célèbre ses 50 ans aujourd'hui. Non, la semaine dernière. L'hôpital Marmottan, c'est 50 ans d'accueil, de soins, d'accompagnement de plusieurs de dizaines de milliers d'usagers de drogue et autres toxicomanies. Il se tiendra, en cette occasion, un colloque le 3 décembre et une exposition le 4 et le 5, qui avoisine le thème de la psychédélique, avec notamment une immersion en réalité virtuelle dans la vision générée par une prise d'ayahuasca. C'est une racine venue d'Amazonie, utilisée depuis des millénaires par des chamans pour faire un voyage vers soi-même. Quoi, je suis un cutéreux, ouais. Et alors on s'est breaké dans le routéreux. Partons de la réalité fragile à l'éternel web. L'art du pliage, de l'origami, des boîtes, des styles atypiques. Cosette a créé Hemingbird. Et c'est super beau. Le magasin, qui est dans un passage, l'un des passages les plus anciens de Paris, juste trouver son magasin est un voyage. Dans l'ancien Paris, dans le Paris Art Déco. Sinon, vous pouvez aller sur Instagram pour voir ses créations atypiques. Hemingbird a son univers à elle. De pliage, d'origami, je l'ai déjà dit, magique. Son Instagram vous donnera forcément envie de découvrir sa boutique merveilleuse. Allez visiter son univers. Mais tu vas arrêter de parler pendant que je parle, oui? Retrouvez-nous sur uidd.fr, Instagram, Facebook, Twitch, Discord, Twitter, aux chaînes de télé, à la radio, bientôt au cinéma, l'univers. Merci au studio de Leritz Moncassin. Salut les artistes!